Ça, en fait, YouTube, dans ma dernière vidéo, elle s'est terminée de façon un peu abrupte. Et du coup, je me suis dit peut-être que certains d'entre vous vont quand même vouloir voir la fin. Donc, on va la continuer un peu cette aventure. Vous Vous savez qui je plaisantez? suis? Vous savez qui je suis? Oh, oui, bien sûr! Je vous ai marché dessus ce matin! J'ai dû essuyer ma chaussure! Depuis quand il faut un mot de passe? Depuis que vous avez fui votre groupe, comme un gros lâche! Un lâche? Qui vous a dit ça? C'est complètement faux. Laissez-moi entrer. Oh, je vais le dire plus lentement. Personne ne passe sans mot de passe. Laissez-moi entrer. Franchement, on dirait presque que vous allez encore chanter. Oh non. Lol. Il va me falloir ça. T'es pas sur la liste, t'as pas le mot de passe. Tu pourras pas entrer, merde. Ton costard est miteux et tes jambes sont des nœuds. T'es pas sur la liste, t'es bien trop prétentieux. Faut me donner le mot de passe. Toi t'as pas de mot de passe. Si tu rentres à l'intérieur, alors tu seras tout seul. Parce que même tes amis voudront plus voir ta gueule. Ta musique vaut rien, c'est même pas un gagne-pain. Allez, bouge de là, parce que tu rentreras pas. Il va me falloir ce mot de passe. Ouais. Y'a besoin d'un mot de passe. Parle à ma main, car c'est elle à la folle. Tu te rappelles que t'es taré de penser que t'es doué. T'as perdu ton c'est référence. Avec ma clé d'Achille, on est tous bien virés. On se dort la pilule, alors toi t'es trop nul. On danse et on se marre, et toi t'es un regard. Il te reste plus personne, pour toi c'est fini. T'es barbe en fait. Merde, j'ai raté deux bulles. Pour me donner le mot de passe. Mais t'as pas de mot de passe. Nous dans le bar, on va s'éclater. Toi sous la pluie, t'auras plus qu'à pleurer. Mes paroles t'assassinent, t'es au bout du rouleau. T'as même pas un seul poil, on dirait un ado. Je suis un grand maître, j'ai un débit d'enfer. Mes paroles sont cherchées, c'est du vrai savoir-faire. Nanana, nanana, t'as pas ton mot à dire. Par ta page, fais drôle du partir. Putain, je suis dégoûté d'avoir raté des bubbles. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi horrible. Calme-toi, mec, c'est du rap. Salut. Vous n'auriez pas entendu le mot de passe par hasard? Vous voulez me filer des cafards? Restez loin de moi, sombre idiot. Pour l'instant, c'est plutôt moi qui ai le cafard. Permettez-moi de vous dire que, quoi que vous en pensiez, je suis pas un soifard. Dégagez! Plus ça va. Vous devez être très apprécié en soirée. Faites pas attention à moi. Je suis grincheux parce que j'ai passé la journée sans boire une seule goutte. J'aurais bien besoin d'avaler un truc. Bah alors le but, c'est de trouver un truc pour qu'ils boivent. Peut-être elle. Art, où t'étais passé? Ça fait des années que je t'ai pas vu. Ouais, ben, plus personne ne va au cinéma. C'est d'un ennui. Tu perds toujours ton temps à vouloir être comédien? Perdre mon temps? Une passion n'est jamais une perte de temps. Hé, on fait un jeu? Tu devines le titre du film que je mime. Ça m'aide à améliorer mon jeu d'acteur. Ah, si tu veux. De toute façon, je ne suis pas prêt d'entrer dans ce bar. Super! Comme au bon vieux temps! Bon, je mime le titre d'un film. Tu trouves de quel titre il s'agit? Il y a de la motion capture. Peut-être avec les PS Move. Kung Fu Koala. C'est ça. Allez, on en fait un autre. Oh, mais d'abord, voilà pour toi.
L'éveil de Debug. L'éveil de Debug. Oui, exactement. Trop facile. C'est mon film préféré. Je collectionnais tout. Les livres, les jouets. Ce film a changé ma vie. Bon, c'est réglé. Je pars pour Hollywood. Wouhou ! Voilà ta récompense. Du pop-corn et un granité. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Je n'ai pas faim. Votre gars, il voulait pas boire ? Tenez, prenez ça. Je ne les mangerai pas. Pourquoi est-ce que vous me donnez ça ? Est-ce que c'est périmé ? Mais non ! J'essaie d'être sympa. Irutabaga ? Oh, sympa ! J'essaie d'être... J'essaie d'être sympa. C'est quoi le délire ? J'ai l'esprit. Prenez-le. Sans façon. Prenez-le. J'en ai plus besoin désormais. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça ? Maintenant que je vais lui demander s'il a entendu le mot de passe, on peut plus. Bon, je devrais pouvoir entendre ce qu'ils disent sur moi. C'est traître. Je comprends pas pourquoi Seb est pas là. D'abord Art se tire, puis Seb se pointe pas. Le groupe est en train de sombrer. Il viendra, Herb. Il est juste nerveux, c'est un sacré concert. On l'est tous, bon sang. Mais si on était tous ensemble, personne pourrait le voir. Ça te ressemble pas de t'inquiéter pour si peu. Il va venir. Oh, Naomi, c'est pas ça. Mais... Oups, pour une fois, je peux pas aller tout près, en fait. Je savais pas qu'Art traversait une passe difficile. J'étais si concentré sur ma musique. J'en ai oublié mon ami. Il ne se moque pas de moi. En fait, bah non, mon neveu. Hé, les gars ! Je vais bien ! Je dois réussir à entrer. On dirait qu'il compte vraiment faire ce concert sans moi. Attends, t'as pas le mot de passe. Maintenant, Art. Il y a pas de Art dans le groupe. J'ai dit Art, je suis le batteur, Seb. Je suis Seb, ils m'attendent. Seb, ouais, c'est bien moi, Seb. Ah ouais ? Prouvez-le. C'est géant. Si je vous laisse entrer, vous promettez d'arrêter vos singeries. Tout ce temps, j'ai cru qu'il se fichait de moi. Qu'il n'avait pas besoin de moi. Mais ce n'était peut-être pas la contrebasse le problème. C'était peut-être moi. Mon dragon. Leila. Leila, c'est toi ? J'ai vu le groupe. J'ai même croisé Stripes. Tu te souviens de Stripes ? Et puis... Oh. Oh. Ouais. Tu me manques, Leila. Vous me manquez tous.
Il est rudement bien fait, hein, ce fils. Quelque chose pour Leila. Un truc sympa. Peut-être que je peux le retrouver. Chaud. D'accord, en fait, ils font le tour de manière... Non ! Bon, moi, j'aurais pas récupéré les bubbles. Putain, mais il y a des possibilités de malade. Au pire, même si les joueurs n'arrivaient pas à maîtriser le jeu, bah... C'est comme si c'était hier. Media Molecule, il possède là Elle jouait dans le parc avec un outil pour faire des jeux qui est juste énorme. J'ai tout de suite su qu'on serait les meilleurs amis du monde. Et en fait, pour savoir quand il arrive, il y a des vibrations qui se déclenchent avant. C'est pour ça que vous savez qu'il allait arriver. Attends, pourquoi j'ai recommencé au même endroit? Ah oui, d'accord. J'ai pas éclairé. C'est beau. Mais attends, faut sauter. Attends, on va aller là avant quand même. Je sais pas où est le bonus en fait. Merde. C'est magique. C'est vraiment digne d'un astrobot, tu vois. On imaginait les endroits où on irait tous les deux. Les choses magnifiques que le futur nous réservait. Enfant, j'étais solitaire. Me faire devenir Leila. Putain ! A changé ma vie. J'y suis presque. C'est juste derrière ce mur. Voilà. Et le dé. Je l'avais acheté pour Leila. Dès qu'elle l'a sorti de sa boîte, Debug et LED sont devenus inséparables.
comme les miens. Mes animations sont totalement folles, quoi. Les meilleurs amis, ensemble, sont capables de tout. Ah, de retour au studio. C'est ici qu'on bossait. La dernière fois que j'y suis passé, ça s'est mal fini. Tu veux que j'y aille, petit follet ? Je ne crois pas être prêt. J'ai sans arrêt des visions de Leila. J'aimerais tant qu'elle reste. Il faut que je lui parle. Il faut une bobine. Les connards. Je suis sûr qu'on avait des bandes qui traînaient. Un disque. Ça pourrait servir. Ah bah. Mais c'est... la bobine de Leila ? Ah, oh, c'est bien ça. C'est celle de Leila. Mieux vaut ne pas la perdre. Pas de nous. Trop de trompettes. Ah, voilà. Putain, mais c'est fou tout ce qu'on peut faire sur ce... Oh, ça me fait froid dans le dos. C'est trop lent, Foley. Accélère-le un peu. Oh, alors ça, c'est... Il savait vraiment jouer. Et la musique continue quand t'es à l'extérieur. Essayons la bobine de Leila. Ça sonne faux. Essaie de réparer ça, petit follet. Ah! Quelle voix! Allez, on peut envoyer le contretemps. Jouons de la batterie. Là, je pense qu'il va me falloir un peu d'aide. Allez, Seb, prends possession de moi. Aide-moi à ramener Leila. Ouais, voilà. Est-ce que t'entends ça, Leila? Y a pas de téléphone. Oh. Peut-être que si je trouve son numéro, je pourrais l'appeler. Sa carte de visite. Elle faisait toujours la promotion du groupe. Mais où est l'autre moitié? 46-38, je crois. Quatre-vingt-seize trente-huit. Le numéro était sur la bobine en fait.
c'est moi. Art, ça va? Où est-ce que tu es? Nulle part, en fait. Écoute, j'ai un truc à te dire. Enfin, j'ai été un crétin. C'est ça que je voulais dire. Un vieux crétin égoïste et minable. Oui, je t'écoute. Ouais. J'étais vraiment stressé. Mais au final, je n'étais pas le seul, n'est-ce pas? Laisse-moi deviner. T'as eu une révélation? Ou t'as encore mangé un fromage bizarre? Le pic-pic est de retour. Ouais. Je le combats et je peux gagner. Seulement si vous êtes tous avec moi. Ah, oh, le pic-pic, c'est la dépression. Tu es là? Je voulais m'excuser. Je veux revenir dans le groupe. Leila. Tu me manques. Le vrai toi me manque. S'il réapparaît, je l'attendrai au chalet. Le vrai moi? Oh, je vais bientôt me réveiller. Je dois trouver mon dragon. Réparer Router. Trouver son cœur. Trop bien. C'est ça, elle. Attends, toi tu fais ça, tu fais ça, toi tu viens là, hop là. Non, 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 non. Je ne sais pas quelle zone de mon esprit imagine ce rêve, mais c'est magnifique. Ah mais totalement. Merde! Je vous explique. En fait, quand tu fais roue, tu changes de perso. Seulement quand tu changes de perso en l'air, ben, je sais pas. Allez, ensemble, on va récupérer mon dragon. Qu'est-ce que c'est que ces bubbles? C'est vraiment bien pensé, putain. Bien ce qui me semblait.
En fait, j'avais bien compris que... Enfin, que j'avale. J'ai vu un petit truc qui donne une astuce. Avez-vous essayé de... Ah d'accord, t'es obligé vraiment de l'avoir... Connard. Oh putain! J'avais dit que ça ressemblait à des plantes carnivores. Est-ce que ça en est? En fait, il y a le même défaut que Tear Away, c'est que des fois, t'as du mal avec les perspectives, parce que ça utilise des angles de caméra un peu chelous. Mais ça, c'est déjà un défaut qu'on trouvait dans Tear Away. Par rapport à Little Big Planet ou comme ça en 2D sur le côté, t'as moins ce truc-là. Il a fallu que je sois seul pour m'en rendre compte. Le voilà. Le cœur de routeur. Plus rien ne peut nous arrêter. Je peux me réveiller à tout moment. J'ai peu de temps pour récupérer mon dragon. Pour trouver ce qui manque. Pour me battre pour le groupe. Pour Leila. Foxy, Frances, on y va! Mais même la case écrase les mecs en dessous. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne peux pas gagner. Tu n'es pas assez bien pour eux. Ah oui, d'accord. Ça me rappelle, je crois que c'est dans Mario que j'avais vu un ennemi qui faisait des ronds comme ça. Ah, mais putain, mais quel con aussi. Ah, faut vraiment que je... En fait, faut que je suis le premier. Et après que j'arrive au second, parce que... Sinon, c'est trop chiant. Merde. Fallait casser qu'un des blocs, quoi. Fallait casser qu'un seul des blocs.
What? C'est bon. On va finir par te battre, tête de pied. Là, le petit robot, il est plus facile à contrôler, je trouve. Il faut retourner auprès de Router avant de... Est-ce que ça marche en speedrunnant comme un porc ? On a bien l'air. Ah merde. Je sais pas où il est. Ah ben il est là. Ah, je peux plus retourner en arrière, donc j'ai pas pris de bonus. En plus, ce sera l'occasion de... Et non ! Ah, ce sera l'occasion de le refaire en fait. Oh, c'était juste, très juste. C'est monstrueux. Debug, LED, allumez-le.
Regardez-le! C'est la sorte de 360 shooter du coup. Et bien c'est quand tu tires, c'est de la musique. Merde! En fait, je sais pas c'est quoi la glissade. Putain, je cherchais où est-ce qu'il fallait qu'il explose quoi. D'habitude dans les jeux tu vois où est l'endroit interactif, mais là je voyais pas du tout. Il y a des spermatozoïdes, putain. Ah oui, fallait en laisser un intact pour récupérer. Vu qu'ils aiment bien faire ça, hein. Un truc que j'aime pas trop, moi. Mais putain, il m'a tapé juste avant que je saute. Oh, je l'ai vu, mais... Ouais, c'est bien dans Mario Odyssey que j'avais vu ça. Des premiers niveaux du jeu en plus. C'est dans le désert. Longswing, je te tiens, n'aie pas peur. Approche pas de ce...
On fait ce qu'il est toujours ? Ah oui, d'accord. Ça, t'es mort, imbécile! Oh non! Non, il va me tuer! En fait, je voudrais tuer l'oiseau. Déjà. Non! J'ai mal sauté, putain. Ouf. Land swing. Allez, filons-y. Salut, Landswing. Ça faisait longtemps. Leila. C'est Leila. Leila! Ah! Je savais pas si tu viendrais. Que s'est-il passé? Leila, j'ai retrouvé mon dragon. Pic-Pic le gardait, alors j'ai trouvé un moyen. Et il y a eu Router, et aussi Debug et Eulady. Tout ça m'a l'air rocambolesque. Qu'est-ce que tu... C'est tout! Et... Eh bien, c'était... Ça a fait... Alors oui, voilà. Et Debug et LED étaient dans une forêt bizarre. Et Pic-Pic a tout plongé dans le noir. Mais ils ont redonné vie à la forêt. Et on a réveillé Router. C'était incroyable. LED, je me souviens. Mais je suis pas vraiment sûre de... Oui, LED, elle est géniale. Et oui, et... Wow. Alors, voilà. Fox et Frances étaient là. Tu te souviens d'eux? Et il y avait toute cette tête bleue bondissante. Mais ça allait, parce qu'ils les ont explosés. Et... Foxy, comme... le jouet? Ah oui, c'est ça. Et il y avait le grand type bleu, avec une moustache ridicule. Et c'était le pire type que j'ai jamais vu. Oh, je déteste. Il chantait des trucs super pénibles. Oh. Et soudain, j'ai compris. Voilà. Ça m'a fait comprendre que... Je m'étais enfui parce que... Parce que j'avais peur. Mais c'est fini maintenant. Ce que je veux dire, c'est que... J'avais tort. Je ne pensais qu'à moi, mais... Rien ne vaut la peine. Si on est seul. Mais tu n'es pas seul, Art. Tu ne l'as jamais été. Wow. Non, putain, j'ai pas... Tu dors dans la boue. J'ai pas récupéré la bubble. Il y a des bubbles cachées partout. Fais-nous tourner tout ça.
te souviens de ça? Ok, t'es prêt? Voyons ce que ça donne. Mon bébé. Ne t'en fais pas, j'ai compris. Tu viens ici sans aucune classe pour que tu te prennes en main. Ouais, la dernière fois c'était dans l'impasse. Tu dois te reprendre en main. Oui, c'est bien ça. En fait, c'est moi qui ferme les portes. Non, c'est vraiment un joli jeu. Enfin, c'est une jolie scène. Ceux qui ont déjà connu la dépression dans leur vie, ou que mes proches qui ont connu la dépression, ils vont comprendre, je pense. Et je pense que dans l'équipe, il y a des gens qui sont où ils étaient confrontés. Parce que pour faire une telle œuvre d'art, c'était un sacré cauchemar. C'est génialissime. J'adore les animations, j'adore tout. Ça me rappelle à 2000% Tear Away. C'est le troisième jeu de Media Molecule. Voilà. Aussi barge que les deux premiers. C'est uniquement de gâcher la mienne. Oui, et tout se passera bien. Lève-toi, bouge-toi, déchaîne-toi, défonce-toi, c'est ça. Bon, allez, fais un effort. Sur 10. J'espère qu'on aura les noms des personnes qui ont créé ça. J'aimerais bien savoir combien ils sont. Si c'est l'œuvre d'un développeur, de plusieurs. Je suis sur le cul. Ça aura égayé mon dimanche tout ça. Mon samedi plutôt. Ben, ça n'a pas d'importance pour vous. Meridian Grove. Comme au bon vieux temps. C'est super que tu sois de retour. J'espère que tu changeras plus. Je n'en ai pas l'intention. Oh mais... Quoi? Le concert! Je vais être en retard! Le groupe doit m'attendre! Allez, viens, Art! On a besoin d'un contrebassiste. T'es des nôtres? Oui, bien sûr que j'en suis. Le groupe sera heureux que tu reviennes. C'est le cerisier, Art! Le cerisier! Tous les grands ont joué dans cet endroit. Les plus grands.
C'est complet. Incroyable. Oh non, Art. Ne commence pas. Ne commence pas, Art. Allez, arrête avec ça. T'es pas assez bon, Art. Ne l'écoute pas. Un imposteur. Taisez-vous. Taisez-vous tous les deux. T'es un musicien raté. Un type infect. Leila mérite mieux. Le groupe mérite mieux. Tout le monde mérite mieux. Il mérite mieux que ça. Non! J'avais aussi l'impression qu'on n'avait pas vu le pic-pic, tu vois. Non. Ça suffit. Je vais me débarrasser de toi une fois pour toutes, pic-pic. Il est temps d'en finir. La maniabilité est vraiment bien. Merde. J'ai compris après. Tu vas en prendre pour ton grade, espèce de pécasse. Là, à droite, tu peux sauter. C'est génial. Oui, routeur. Tu vas prendre cher, le piaf. Allez, allez, allez. Putain, on dirait... Pour moi, on dirait Horizon Zero Dawn, tu sais. Il s'échappe. Ah, les gars, j'ai cru que vous alliez rater ça. Impressionnant. Impressionnant. Ah, mon inspiration est là. On peut voler. J'adore voler dans mes rêves. En fait, c'est un peu nul l'inversion qu'ils ont mis parce que... C'est pour inverser les sticks, mais ça perturbe de pouvoir le faire en temps réel. Taré. Putain, merde. On est de plus en plus proche. Il pense pouvoir gagner, Leila. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu peux voler, mais pas te cacher.
J'ai un robot. J'ai des amis. Tu as bien raison de t'enfuir, mon gars. Mais j'ai sauté sur le mur, putain! J'aime pas trop le fait que les cours sur le mur soient semi-auto parce que du coup il y a des moments. Où ça ne prend pas en compte. Star Fox. Wow. Pourquoi la voiture vole? Vite, avant que je me réveille. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. C'est genre, faut vraiment attendre la dernière minute pour sauter, mais. On va attendre, hein. Ouais, c'est ça. Pas compris. Bah, je comprends pas, je peux pas accélérer. C'est débile, putain. Jusque là, tout allait bien.